Je m'appelle Franck Bernard, je suis sommelier de formation et j'ai lancé Tell Me Wine en 2014. Alors j'ai pas toujours fait ça en fait, puisque auparavant je travaillais dans une banque pendant 10 ans. Et puis moi, j'ai eu envie de faire autre chose. Alors il y a eu deux possibilités, la cuisine ou le vin, hein, puisque voilà, j'aime bien les bonnes choses, la bonne chère, et bon, c'est le vin qui l'a emporté pour diverses raisons, même si les deux de toute façon sont jamais bien loin en tout cas. Donc voilà, une formation de sommelier, et puis ensuite bah, j'ai lancé une activité d'animation autour du vin. En fait, Tell Me Wine, c'est parti plutôt sur des cours d'œnologie au départ, hein, uniquement. Apprendre autour du vin, passer un bon moment, voilà, en toute simplicité. Et puis petit à petit, j'ai développé le concept bah, pour des entreprises, hein, qui veulent passer un bon moment à l'issue d'un séminaire, d'une réunion client, des événements d'entreprise en général. Toujours dans un esprit vraiment, j'irais ludique, hein, apprendre, on n'est pas là pour se prendre la tête, c'est apprendre autour du vin, passer un bon moment, et voilà, pas de choses techniques, même si je m'adapte s'il y a des questions techniques, mais pouvoir s'adapter à tout public en fait, hein, aussi bien un néophyte que vraiment quelqu'un qui s'y connaisse. Et puis par la suite, bah, j'ai développé l'aspect formation, cette fois-ci, là en s'adressant à des professionnels qui veulent approfondir leurs connaissances. Mais là, on est un petit peu plus, effectivement, un peu plus technique. Ou des gens en reconversion, effectivement, qui veulent vraiment basculer, comme moi je l'ai fait à l'époque, hein, qui veulent vraiment basculer dans l'univers passionnant du vin. Bah, un bon souvenir, je dirais que j'en ai plein en fait. J'en ai plein parce que en fait chaque dégustation est différente, parce que chacun arrive avec ses questions et surtout chacun arrive en ayant envie de passer un bon moment, parce qu'on est à chaque fois dans quelque chose de convivial, hein. Le vin, c'est ça, c'est la convivialité, c'est l'échange, c'est le partage, et donc ce qui fait que on est toujours amené à avoir des bons moments, quoi. On rigole bien, on déguste des bonnes choses, hein. Vraiment on se fait plaisir au niveau gustatif, même olfactif, hein, parce que c'est aussi ça le vin. Donc des bons moments, je dirais que chaque dégustation est un bon moment.